Bonjour à tous pour cette nouvelle méditation réparatrice. Alors, le conseil, c'est il faut laisser vos problèmes à l'extérieur, hein. Vous avez votre petite chambre de méditation, votre pièce, hein, qui se charge de bonnes vibrations, mais les problèmes, il faut qu'ils aillent à l'extérieur. Sans ça, il n'y aura pas de méditation, mais il y aura simplement une mauvaise expérience. Donc pour ça, le secret, c'est d'entrer à l'intérieur et par la respiration, se déconnecter du mental et de l'intelligence. Tout comme lorsqu'on dort, on se déconnecte graduellement du mental et de l'intelligence pour entrer dans un sommeil profond. Or, la méditation, elle permet d'entrer en soi et de plus être influencé par le corps subtil qui est imprégné de toutes les impressions passées. C'est comme ça qu'on peut véritablement se libérer et entrer en nous-mêmes et être en paix. C'est le secret. C'est toute une technique, hein. Donc, prenez une posture que vous aimez, qui vous va à vous. C'est votre posture d'aujourd'hui. Vous vous sentez bien dedans. Sentez. Et puis nous allons commencer par fermer les yeux, avoir le dos droit et commencer à nous focaliser sur notre respiration. Visionnez comment l'air entre par les narines, emplit les poumons lentement. Calmez toute cette machine intérieure. Comme quand vous allez vous endormir. Inspirez, expirez. Lentement. Pour entrer en vous-même. Pour avoir l'expérience intérieure. Pour découvrir une autre personnalité, celle qui est belle. Pas celle qui se bat, pas celle qui veut de la gloire, mais celle qui veut de l'amour. Régulez votre respiration lentement. Sentez à l'intérieur de vous-même comme tout s'ouvre par cette respiration. Tout semble fleurir. Tout semble vous amener dans un jardin. Où des lotus fleurissent. Votre respiration se ralentit naturellement au fur et à mesure que vous entrez à l'intérieur de vous-même. Découvrez le jardin du cœur, où est situé le soi, l'âme, le jiva, jivatma. Focalisez votre pensée sur la région du cœur. Épanouissez cette région par la respiration. Sentez que ce corps est un véhicule. Il peut vous permettre de vous dégrader comme de vous libérer. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la libération.
Je désire sortir de mon impasse, de ce labyrinthe, de ce cycle de l'action et de la réaction, en me positionnant comme une entité spirituelle différente de la matière. Puis je vais entrer le mantra à l'intérieur de moi-même pour faire cette action purificatrice, entrer la pureté en nous à travers le son et laissons faire ce ménage spirituel, ce nettoyage intérieur. Puis observez à l'intérieur de vous-même le bénéfice de la vibration. Chantez intérieurement le Om tout en inspirant et en expirant. Sentez qu'en inspirant, cette vibration continue à s'éveiller en vous et également en expirant. Sentez comme tous les centres énergétiques à l'intérieur de vous s'ouvrent. Entrez à l'intérieur de vous-même. Libérez-vous. Devenez une personne meilleure. Puis focalisez-vous sur la région qui s'épanouit à l'intérieur de vous-même. Et laissez-la vous emporter. Comme ce voyage est bon, comme cela m'apaise, j'en ai besoin, c'est la nourriture spirituelle. Puis, remuez vos mains et votre tête, ouvrez les yeux, tout en restant dans cette énergie, dans cette évolution intérieure, pour accepter le monde avec une autre conscience. Joignez les deux mains et rendez-vous votre humble respect. Puissions-nous être en harmonie. Merci beaucoup.